comporter. Allez, on me suit, on me suit. C'est parti pour une super journée au bois du Casier. Allez, Tom, tu viens? Allez, en route, on va monter dans les camionnettes. On n'oublie pas de boucler sa ceinture. Ah ben, nous voilà enfin arrivés sur le site du bois du Casier. Bonjour les jeunes. Alors, je suis vraiment heureuse de vous accueillir ici au bois du Casier. C'est un hommage au labeur de tous ces hommes-là, tous ceux qui ont travaillé, qui ont donné leur vie, qui ont vraiment souffert. T'as la chance d'être à l'internat, parce qu'elle a toujours les yeux qui sont sur mon dos. Hey, t'as mangé un con ou quoi, mon pote? Ben laisse-le, ça fait 6 mois que son père est mort. Ah, ben je savais pas. Ça a pris au pied tous les mineurs qui étaient dans les galeries à son âme. On va se diriger par là, je vais aller vous expliquer ça. Ok, vous venez avec moi? Donc ici, on est dans la salle des pendus. Pourquoi? Parce qu'on voit tous les vêtements des mineurs qui sont accrochés. Ce sont leurs vêtements de travail qu'ils enlèvent, ils ont fini leur journée. Allez, venez les grands, on va aller par ici, on va continuer la vie. Mais ça va mon grand? Allez maman! Allez, allez, avancez, il reste. Et ici, les attend une dame qui, en échange de leur médaille, va leur donner une lampe. Le mineur numéro 4, hein, il est toujours en bas, yes, dans la mine. Ok? Regardez ce que j'ai trouvé. N'importe quoi. Allez, et maintenant, vous me suivez. Venez, par ici. Hé mec, t'as vu l'état de ce nom? Peut-être lui qui a déposé le charbon. En bas, à plus de 900 mètres sous terre, quand la catastrophe se déclare. Hey, madame, est-ce que c'est vrai l'histoire sur les fantômes? Ah, la légende d'Emilio. Eh bien oui, ce jour de la terrible catastrophe, eh bien il y a 5 amis qui travaillent là, dans la mine, et qui sont piégés eux aussi. Un wagonnet se renverse, il est en dessous, il est pris au piège, et les 4 autres n'ont pas le temps de dégager et de le sauver. Emilio est un de ceux qui ne remontera pas vivant de cette terrible catastrophe. Madame, est-ce que je peux aller? Ma maman, elle est en bas, elle m'attend. Oui, oui, bien sûr, tu peux y aller, vas-y. Ça va, tu t'es pas fait mal? Tu te fais aider par les photos maintenant. Voilà. Il n'y a grand chose. J'ai vu quelle est la langue des mineurs, comme si on le voyait dans un musée. Purée, je trouve pas. J'ai une idée. On pourrait aller à la bibliothèque. C'est là que toutes les informations se trouvent. Qui est partant? Allons-y.
Rien. Il n'y a rien du tout ici. Du coup, on fait quoi ici? On pourrait peut-être demander au bibliothécaire. Bonjour, nous sommes à la recherche des légendes sur Emilio le mineur. Je vais regarder. Allez, malheureusement, ils sont tous empruntés par la même personne. Et malheureusement, avec le RGPD, je ne peux pas vous dire qui c'est. Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que je peux avoir une bonne Nespirou s'il vous plaît? C'est pas la trace du gars qu'on a suivi au musée? Reste là, fais le guide. D'accord. Les gars, comment on peut rentrer? J'ai trouvé un plan. On va aller dans l'entrée ici. Hey, salut les gars! Comment ça va depuis la dernière fois? J'allais justement faire une pause, vous voulez venir boire un verre? Laissez-moi débarrasser un petit peu, vous pouvez vous installer. Tout le monde veut bien limonade? Oui. Il y a très peu de gens qui se chauffent au charbon à ce temps-ci. Et puis il a emprunté plein de livres sur le charbon et sur les légendes du charbonnage. Et voilà, les gars. Ça, c'est par exemple une de mes petites créations au fusain. C'est très joli. C'est très joli, monsieur. C'est très joli. J'en ai un ici, un petit peu plus grand. Vous dessinez que des mineurs? Bah moi, je suis simplement passionné par le charbonnage et tout le passé industriel de la région. Du charbonnage et des légendes qui s'y rapportent en général. Ah, tout s'explique. Nous pensions que vous étiez le fameux fantôme dont les médias d'en parlaient. La légende du fantôme. Mm-hmm. Cette histoire m'a aussi beaucoup intrigué. Mais est-ce que vous connaissez toute l'histoire? Non. Eh bien, laissez-moi vous la raconter. L'histoire commence à l'aube du 8 août 1956 au cœur de Marcinelle. Le bois du Casier, une mine de charbon comme tant d'autres, pulsait au rythme incessant du travail des mineurs. Des hommes venus de loin chercher fortune ou simplement un moyen de subsister. Parmi eux, Emilio et ses compagnons, cinq amis inséparables, originaires d'Italie, désormais plongés dans les ténèbres sous la terre belge. Ensemble, ils étaient la main. Une unité indivisible, un symbole de fraternité forgé dans les profondeurs de la mine. Ce matin-là, une tragédie couvait. Antonio, dans un geste machinal, tentait de dégager un wagonnet coincé. Lorsque la cage fut appelée à la surface, le wagonnet libéré heurta une poutre. Un incendie se déclencha profondément sous la surface, piégeant les hommes dans un labyrinthe devenu piège mortel. Les amis d'Emilio, pris dans le chaos, couraient vers l'espoir d'une échappatoire. Un wagonnet renversé scella son sort, le piégeant sous son poids implacable. L'appel d'Emilio, un cri déchirant de douleur et de désespoir, fut le dernier fil qui liait la main. Devant l'urgence, la survie dicta sa loi cruelle, et le groupe fut déchiré entre le désir de sauver leur ami et l'instinct de préservation. Abandonné, Emilio fit face à son destin avec une résignation empreinte de colère et de déception. Les survivants, échappés de justesse, portèrent le poids de cette décision toute leur vie. Soir après soir, chacun des amis à son tour était tiré de son sommeil par des coups résonnant à sa porte. En allant voir, ils trouvèrent un morceau de charbon déposé sur le pas de leur porte ou parfois niché au fond de leur poche. On murmure que l'esprit d'Emilio continue de semer des morceaux de charbon à travers Marcinelle, chaque fois que les rumeurs portées par le vent lui révèlent qu'un habitant aurait mal agi. Waouh, c'était merveilleux, monsieur. J'ai adoré l'histoire, en tout cas. Merci beaucoup. Mais là, on doit rentrer. Et chez nous. Allez, copains. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. On est cinq. Oui. Comme les gars de la mine. Oui. Et on va s'appeler la main. Oh, nom de code, la main. Très intéressant. Regardez, les gars, j'ai trouvé une annonce. Oh, on va parler de l'histoire du charbon. Mais c'est pas loin d'ici. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons enquêter alors. Pour la main!
venez, monsieur. Merci. Merci, au revoir. Cet homme du magasin, je l'ai vu avec le pantalon, le t-shirt et même la chemise de mon père. Je sais que maman avait voulu les vendre, mais cet homme a voulu les garder pour lui-même, ce sale voleur. Pourtant, il avait l'air sympa. J'ai voulu accéder au magasin, je m'avais pour sa gueule. Bon, les gars, il serait temps qu'on y aille. Attendez, attendez, les garçons, partez pas tout de suite. Je vais vite aller à la cave, je vais vous chercher une canette pour le retour. Bougez pas, j'arrive. Vous boirez ça sur la route de secours, hein, les garçons. Voilà. Allez. Au revoir. Quel, tu pars sans ta veste. Merci. Allez, madame. Merci beaucoup, madame. Allez, bonne journée, madame. Bonne journée, les gars. Tu peux mettre de la musique, s'il te plaît? Attends, je vais chercher mon GSM. J'ai vu quoi dans ma veste? Il serait temps d'aller prévenir tout le monde, va chercher vite. Ok, je vais chercher. Hugo. Regardez les gars, j'ai trouvé quoi dans ma veste? Attends, quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se calmer. Il faut réfléchir rationnellement. Michael, c'est pas gosse que t'as volé la casquette au Visiboutique? Je sais pas. T'as pas fait de bêtises? Non. Bon, ok, d'accord. C'est qui le fantôme? C'est une personne qui est au courant pour la casquette. Forcément. Tom, y a que ta maman qui savent. Bon, alors, c'est impossible que c'est monsieur Hicham de Visiboutique parce que il était toujours derrière son comptoir. Mais du coup... Non, pas ma mère. C'est forcément impossible! Bonjour monsieur Johnny. Bonjour monsieur Johnny. Bonjour monsieur Johnny. Les jeunes, quel bon vent vous amène. On va rentrer. Allez, venez. Allez, à bientôt les jeunes. Et vous savez, pour monsieur Hicham, il travaille bénévolement à la boutique. Bon, mais c'est pas un voleur, je le connais bien. Bonjour madame. Ah bonjour Jordan. Ah tu viens pour Tom? Oui. Mais il est presque prêt, il met son manteau là, il va arriver. Vous avez pas entendu l'accident qu'il y a eu à l'internat hier? Ah non, je suis pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé? Johnny l'a foncé dans la voiture de mon éducateur. Allez. Oui. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en courant. Là t'as pas un délit de fuite, heureusement je l'ai vu. Mais non. Mais si. Il a rien dit. Non. Et heureusement je l'ai vu. Ça, tu vois, c'est vraiment le genre de comportement qui me révolte. Heureusement, je l'ai vu. Tu ne crois pas si bien dire. Heureusement que tu l'as vu. Oui. Ah, ben voilà, Tom. Ben voilà, on peut y aller. Allez, au revoir les garçons, à tout à l'heure, Tom. Je t'assure, c'est pas ce que tu crois. On va rester calme, on va boire un petit verre et on va en discuter tranquillement. Santé. Ah. Emilio, il a été abandonné au fond de la mine par ses amis et j'ai l'impression que tant d'années après, rien n'a changé. Alors oui, j'ai voulu faire revivre cette légende et essayer de ressusciter Emilio en me disant que ça allait peut-être faire bouger un peu les choses. Mais maman, monsieur Johnny n'a rien fait. C'est nous qui avons inventé cette histoire d'accident pour pouvoir piéger le fantôme. Mais c'est pas possible que c'est monsieur Hicham.
parce que c'est un gentil. Alors pourquoi vous avez posé ça chez moi ? Écoute Valentin, j'ai posé ça devant chez toi parce que j'avais mal au cœur de t'entendre raconter comment tes parents te crient toujours dessus. Et je me suis dit, je vais aller leur poser ça, ce charbon devant leur porte. C'était pour eux, je voulais les faire réfléchir. Je me suis dit que peut-être ça pouvait arranger quelque chose. J'ai fait ça pour toi, Valentin, je voulais t'aider. Finalement, tu avais voulu bien faire, maman. Ici, on faisait quelque chose pour améliorer la vie du quartier. Tu sais, la main, toi, maman et Monsieur Johnny, on pourrait faire équipe pour pouvoir améliorer la vie du quartier. Qu'en pensez-vous, Monsieur Johnny ? Bonne idée ! Ouais ? Pour la main ! Pour la main ! Bonjour, Monsieur Nicham. Bonjour. Je vous rends la casquette. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu la casser la dernière fois. Tu vas aller rejoindre les autres. Ok, merci monsieur. Mais comment ça va avec tes parents maintenant ? Ben, écoute, ils sont moins chiants qu'avant. Depuis que Madame Fanny a discuté, elle-même, je suis content que c'est fini tout ça. Parce que là, je suis vraiment heureux. Eh les gars, regardez, ça parle de nous sur les infos. Ah ouais. C'est trop cool là. Ce samedi aura lieu la première réunion de la main tendue dans les locaux du vestiboutique de Marcinal. Sympa le logo, monsieur Johnny. On recommence par quoi, les gars ? On va recréer du lien de notre quartier et on va proposer à Mamie Suzy d'aller faire ses courses. Monsieur Fabrice, il est malade. Est-ce qu'on peut aller lui proposer d'aller promener son chien ? Ou alors on peut faire des courses pour une personne qui son chien est malade. Une main tendue vers quelqu'un qui en a besoin. Pour la main tendue ! Pour la main tendue !